Ahmad a été interpellé jeudi matin dans un hôtel à Paris, pour être entendu par les services français chargés de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Son interpellation serait liée à un contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma, affirme sur son site internet l'hebdomadaire Jeune Afrique. La Fédération internationale du football association, l'instance dirigeante du football mondial, déclare qu'Ahmad a été interpellé en relation avec des faits liés à son mandat de président de la CAF. Le président de la CAF a reçu tardivement le visa américain. La CAF a commencé à combattre la corruption. CAF, le nouveau président refuse un salaire. La Fédération internationale du football association n'est pas au courant des détails entourant cette enquête et n'est donc pas en mesure de faire des commentaires à ce sujet, ajoute-t-elle. Ahmad s'est rendu à Paris pour le congrès de la Fédération internationale du football association au cours duquel le président de cette instance, Gianni Infantino, a été réélu pour un mandat de 4 ans.